Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un unboxing avec la boutique Diamond à Gif. J'ai été livrée très vite. J'avais fait mon choix le 12 octobre, on me l'a confirmé et envoyé le 17 octobre. Et je l'ai reçu aujourd'hui, nous sommes le 25, donc vous voyez, ça a été très très vite pour l'envoi. Diamond Argif, c'est du DP, donc vous allez voir du DP aujourd'hui. J'en ai choisi trois, enfin, chouchou. Souvent quand c'est les DP, les trois quarts du temps, c'est chouchou qui les choisit. Il en a choisi trois. Alors, je m'installe dans l'autre sens. Je voyais, j'ai trouvé, si vous avez vu, hop, 1, 2, 3, vous avez pu voir sur la dernière vidéo ou l'avant-dernière vidéo que je suis toujours en bas. Hein. Je ne peux toujours pas aller en haut puisque je n'ai toujours pas rangé. Il va falloir que je le fasse. Et là, bon, j'ai trouvé quand même qu'en retournant mon téléphone, ça allait mieux pour vous présenter les articles. Donc, je prépare mon téléphone et je vous montre ça tout de suite. Et voilà le DP. Donc là, bon, avec ma nouvelle façon de faire pour l'instant, je vous montre le DP en premier. Donc, vous aurez tout de suite reconnu, c'est Tic et Tac. Voilà. Donc, Tic et Tac, il n'en avait pas encore fait. Je regarde mes murs, mais non. Il n'en avait pas encore fait. Voilà. Donc, il est un peu en style vitrail, vous voyez. Alors, avec, on a comme d'habitude le petit toolkit. Voilà. Et la petite glue qui est là. Et on a les perles en sachet zippé. Voilà. Alors, je pense qu'ici, je vais pouvoir vous montrer les couleurs comme ça. Alors, on va agrandir. Voilà. Donc, il y a du blanc. Voyez. Là, il y a un beige. Donc, des jolies couleurs, hein, comme d'habitude. Il y a un bordeaux ici. Un vert foncé, un vert plus clair et du noir. Voilà, je vous les remontre. Donc, ça fait combien? Il y a 25 couleurs pour ce petit DP Tic et Tac. Et Tic et Tac, il est à quel prix? À 4,88 $. Comme d'habitude, bien sûr, je vais vous mettre les prix en euros. Ici, hein, vous aurez vu. Donc voilà, bah écoutez, moi je trouve très joli. Pas confetti du tout. Non, il va être très beau. Il va être très beau. Deuxième DP, bah écoutez, vous aurez tout de suite reconnu qui c'était. Oui, Buzz l'éclair. Donc on a un Buzz l'éclair, voilà. Je vous montre, voilà sa tête. Vous voyez, alors pas de confetti, hein, c'est surtout des blocs. Bon, de temps en temps, comme là, mais ça c'est pas du confetti, hein. Voilà, non. Il fait la tronche, Buzz l'éclair. Bon, voilà. Alors, on a combien de couleurs? 19 couleurs, voilà. Donc, bien imprimé hein, aussi. Hein. Le précédent, j'ai oublié de vous le montrer, mais il était très, très bien imprimé. Et ici, voilà, pareil, vous voyez. Et ça colle. Voilà. Alors, on a, bien sûr, comme d'habitude, le petit toolkit, voilà. Et on a également les perles en sachet. Alors, on va l'agrandir pour que je vous montre les couleurs.
Voilà, du gris. Là, on a du gris clair. Là, c'est un gris bleu. Voilà, du jaune, du orange clair, bordeaux, bleu, du rose, un orange, du vert, du beige, du bleu, du vert, encore du rose, un petit marron glacé. Et ici, vous verrez mieux. Un blanc, mais c'est le faux blanc, c'est le 3865. Voilà, et le petit bleu marine là, vous l'avez vu? Ah non, vous l'avez pas vu. Si, 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 il y avait un bleu marine, c'est le 939. Ça, à tous les coups, je vais regarder, mais ah non, je me trompe, c'est pas le 939. Bon, autant pour moi. Donc voilà, un joli buzz l'éclair. Bah écoutez, ça change. Hein. Chouchou a choisi ça, mais bon, j'aime bien, c'est pas mal. D'ailleurs, bon, de toute façon, en ce moment, il n'y a plus de place sur les murs. Hein. J'ai même du mal à trouver de la place pour mes broderies à moi. Donc maintenant, Chouchou ne les encadre plus. Il les met dans. Comment on appelle ça? Vous savez, le classeur, le grand classeur de cette taille-là, avec plein de pochettes. Donc maintenant, il les range là-dedans. À l'occasion, je sais pas si je vais attendre qu'il soit plein, mais là, il est déjà une grosse moitié de la poche, enfin du classeur. Rempli de DP, donc je vous ferai peut-être une vidéo un de ces jours. Si ça vous intéresse, vous me le direz. Alors, ce petit buzz l'éclair, il est au prix de 4,99$. Troisième et dernier DP, voilà. Alors, celui-là est très noir, voilà. C'est un peu style mexicain, les fêtes qu'ils font justement à la Toussaint, Halloween. On voit beaucoup de personnages dans ce style-là. Alors Chouchou avait hésité à le prendre parce qu'il sait que je n'aime pas du tout, du tout, du tout, tout ce qui représente la mort. Tout ce qui représente les squelettes, voilà, toutes ces choses-là, parce que moi j'ai une phobie monstrueuse de la mort, donc tout ce qui représente la mort, voilà. D'ailleurs, bon, entre parenthèses, je ne peux pas approcher une personne qui est décédée. C'est impossible pour moi. Alors dans mon métier, ça a été compliqué puisque moi j'étais auxiliaire de vie. Mais je ne peux absolument pas être près d'une personne qui est morte ou voilà. Quand mon papa est décédé, je n'ai pas pu, dès la seconde où il est mort, je suis sortie de la pièce et ça a été fini. Je ne pouvais pas, je pouvais pas, je pouvais pas. Donc voilà, et ça me fait un peu peur parce que bon, quand s'il arrive un jour quelque chose à Chouchou ou à quelqu'un d'autre, n'importe, ben voilà, je sais pas comment je vais réagir. Bon, je referme les parenthèses, c'était pas du tout la conversation du jour, mais c'était pour vous expliquer que là, du coup, il me dit oui, je le prends pas parce que tu vas pas aimer. J'ai dit, de toute façon, tu vas le mettre dans ton classeur. Tu vas pas le mettre au mur. Il me fait, ouais, je le mets dans. Je suis bon, ben alors si tu le mets dans ton classeur, il n'y a pas de problème. Tu peux le prendre. Alors, je vous la remontre un petit peu mieux. Voilà, voyez. Donc, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Hein. Ça va être beaucoup du noir, du blanc, du rouge, un peu de bleu. Voilà. Alors, d'ailleurs, on a combien? On a quand même une vingtaine de couleurs. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais non, on a quand même une vingtaine de couleurs. Niveau impression, bah écoutez, hein, il n'y a pas de problème, hein, vous voyez. Niveau colle, il n'y a pas de problème non plus.
Alors, les trois articles que je viens de vous montrer, c'est bien parce qu'ils sont bien épais. Voilà, les cintres d'épée, moi j'aime bien quand ils ont une bonne épaisseur. Ça fait bien tenir les perles, je trouve. Le petit toolkit, comme d'habitude. Et on a, bah du coup là, cette fois-ci, j'ai pas besoin de vous déballer les perles, parce qu'elles sont toutes en sachet zippé. Et c'est top. Alors, par contre, du noir, il y en a. Il y a plusieurs sachets de noir. Voilà. Alors, on va agrandir. Du orange, du parme, bleu marine, du bordeaux, du rouge, du blanc. Enfin, c'est pas le vrai blanc, hein. Non, non, c'est pas le vrai blanc. Du jaune, du crème, voilà, un beige, gris, encore un beige, orange, bleu, gris, marron, rouge, du rouge, du beige rosé. Du gris un peu bleuté, et là c'est tout le noir. Donc on a plusieurs sachets de noir. Voilà. Donc voilà. Alors celui-ci, la femme crâne, moi j'avais marqué femme crâne fleur, mais c'est ce que c'était traduit comme ça sur le site. Bon, des fois les traductions sont un peu bizarres, mais bon, c'est pas grave. Donc en 30-40 perles rondes est à 4,88 $. Voilà. Bah écoutez, moi je remercie beaucoup la boutique Diamond Argif, en plus aussi pour leur rapidité, hein, pour la livraison. La dernière fois, ça avait été très 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 long, mais il y avait eu les vacances, ils avaient eu une fête nationale aussi entre deux, donc voilà. Mais là, ça a été très vite et je les en remercie beaucoup. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi, comme d'habitude, dans les commentaires, ce que vous avez pensé des DP que je vous ai présentés. Voilà, ou même si vous les avez déjà fait, pourquoi pas. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais vous faire plein de gros bisous et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous, bisous!